Jean-Christophe, on est là au cinéma à l'Amphi à Vienne, à la sortie du film La couleur de la victoire, qui est consacré à Jesse Owens. Dans ce film, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, personnellement ? J'ai trouvé que la façon dont c'était tourné était formidable. Je suis moi-même allé sur les lieux, sur ce stade. À Berlin ? À Berlin, oui. Il y a déjà quelques années de ça. Pour voir le stade qui était quand même construction impressionnante. Et c'est un de mes amis passionnés qui m'avait raconté l'histoire de cet athlète nord-américain. Donc Hitler avait refusé de lui serrer la main. Donc je dirais que connaissant un peu les faits, j'ai pas été surpris, mais c'est la façon dont c'est tourné, on s'est amené, qui m'a assez fasciné, je l'avoue. Dans ce qui est tourné, qu'est-ce qui justement est important pour vous ? C'est cette façon d'amener la dimension humaine. Et puis, il y a eu aussi des éléments qui étaient fascinants, notamment l'athlète allemand qui a fait un tour de piste avec notre athlète nord-américain, pour montrer cette fraternité humaine, cette solidarité entre sportifs. De plus, il avait à se qualifier. Et ça, c'était extraordinaire, détail que je connaissais pas bien sûr.